Salut les voyageurs. Nous nous retrouvons à l'étape qui précède notre première virée avec notre nouveau camping-car. On est un petit peu avant l'ascension, on est prêt à partir et on va découvrir finalement le fonctionnement de cet engin. Cette vidéo fait partie de la playlist projet, elle aurait pu aussi faire partie de tuto, elle aurait pu aussi faire partie d'étonnement, découverte, petit loupé, ou bien encore découverte de choses pas forcément très logiques chez le constructeur de ce camping-car, comme chez tous les constructeurs d'ailleurs. Cette vidéo sera sous la forme Histoire sans parole, avec pas mal de musique. A tout de suite. Pour l'aménagement de la soute, nous avons une équation compliquée à résoudre, bien la remplir avec beaucoup de caisses pour peu de poids. Organiser correctement ses placards, c'est encore plus compliqué qu'à la maison. Peu de place et il ne faut pas que ça bouge.
Lors de la livraison d'un véhicule, on reçoit tellement d'informations que parfois, on en loupe une essentielle. Alors. Si manquer de crochet pour attacher ses vêtements est embêtant, avoir des placards qui claquent est carrément embarrassant. Un grand store, c'est sympa. Savoir le manipuler, c'est mieux. On s'est donc entraîné.
Voilà, j'espère que cette vidéo projet t'aura plu. Comme dit au début, l'ascension arrive, nous allons partir. Le déconfinement n'étant encore pas complet en Suisse, les campings ne sont pas ouverts. Nous irons donc nous loger chez un particulier qui nous ouvre son jardin. Bien entendu, ceci fera l'objet d'une vidéo. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner, ça fait toujours très plaisir. Pense au pouce bleu et à bientôt.